Hello tout le monde, hello les nanas, c'est Naomi, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Donc aujourd'hui on se retrouve pour un méga unboxing. Alors d'abord je tenais à m'excuser puisque je porte exactement la même tenue que je portais la vidéo de mardi dernier, la vidéo cadeau d'anniversaire. D'ailleurs je vous mets le lien juste ici hein, si vous voulez voir ou revoir cette vidéo. Puisque tout simplement aujourd'hui on est mardi et je filme la vidéo du mardi et du vendredi. Puisque j'ai peur d'être trop just sur la vidéo du vendredi, la vidéo que vous regardez aujourd'hui. Puisqu'ils annoncent mauvais temps, ils annoncent de la neige, je sais pas trop si je vais avoir le temps de filmer cette vidéo. Donc voilà, excusez-moi. Du coup, j'ai les cheveux frisés, encore les cheveux frisés, je me suis juste mis une petite passe parce que les cheveux un petit peu gonflés, c'est un peu pénible. Et je porte la même tenue, voilà. Donc on passe tout de suite au méga haul de chez NOS. Je vous montre tout de suite le sac, le voici, donc je vous ai pas menti. Il est méga lourd. Le voici donc bien rempli et j'y suis allée en deux fois. Donc je vous montre tout de suite ce que j'ai acheté. Et vous allez voir sur le mois de janvier j'ai trouvé de belles pépites chez NOS. Je commence tout de suite par la collection Chupa Chups. Je ne sais pas si vous avez des NOS près de chez vous, je ne sais pas si vous avez vu cette collection ou pas. Et moi j'ai craqué. Donc c'est cette collection là, la vraie marque Chupa Chups. Donc j'ai acheté pour 1,90€ donc ce bocal qui est en verre. Et je me suis dit pourquoi pas. On peut mettre un tas de choses à l'intérieur et il est vraiment très joli. Ensuite, je me suis acheté des boîtes en fer. Donc, pour 1,30€, vraiment 1,30€. Elle n'est pas trop belle. Donc, Chupa Chups, très jolie. Donc, une boîte en fer, hein. Voilà. Mettre ce que je voudrais à l'intérieur. Une seconde boîte en fer cette fois-ci. Oups, elle a un format différent. Donc, elle est ronde et elle coûte 2,30€. 2,30€, c'est pas cher du tout. Également une boîte en fer. Très jolie, hein? Magnifique. Ah oui, ensuite, j'ai pris ces deux espèces de mugs ouais, pour l'été. Donc deux motifs différents. Il y a celui-ci et celui-ci pour 1€. 1€, trop bien. Donc je suis trop contente de ça. Ensuite, il y avait des petites, même pas si petites que ça. Des cuillères pour 1,60€. 1,60€ et j'adore. Vraiment, j'adore. Je vais les ouvrir. Prenez ce qu'il y en a. Alors, 1, 2, 3. Il y en a 6. 6 cuillères très, très jolies. Vraiment. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Elles sont vraiment magnifiques. Qu'est-ce qu'il y a écrit? Ouais, je ne sais pas trop. Oh, trop jolie. Vraiment, trop, trop jolie. J'ai ensuite acheté un mug. Pour combien? Pour 1,10€. 1,10€. Un mug Chupa Chups. Trop trop bien. Je suis trop contente. Je veux dire ce mot-là souvent. Hein, trop contente. Et pour 1,40€, j'ai acheté ces deux tasses. Donc moi je pense que je vais m'en servir pour faire des cafés allongés. Toujours en verre. Hein. Et ils sont vraiment très très jolis. Donc deux bien sûr. On est deux à la maison. Voilà pour la collection Chupa Chups. Ensuite, ah oui, j'ai acheté ça. Pour 1,45€, c'est une boîte déjà en plastique. Je me suis dit, je pourrais la garder. Alors, ce sont des petits biscuits. Donc, en forme de cœur. En forme de cœur, et qu'est-ce qui est écrit dessus? Biscuit cœur à la cannelle. Donc, 1,45€. Très, très bien. Je suis contente de cet achat. Alimentation, je crois que je n'ai plus rien. Je vais passer à tout ce qui est un petit peu papeterienne, tout ce qui est un peu... Là, c'est par exemple une protection iPhone. iPhone 6 Plus, donc c'est le mien. Et 75 centimes. 75 centimes, j'en ai acheté une seconde. Celle-ci, c'est pour l'iPhone 6 Plus également. Donc voilà, j'en aurai deux. Ensuite, ah oui, j'avais pris ça. J'en ai pris deux également. Pour 50 centimes, c'est une protection à mettre sur les trucs des caméras. Donc pour le prix, je ne sais pas si je vais m'en servir ou pas. Mais j'ai pris... Ah oui, magnifique, j'avais trop hâte justement de faire la vidéo pour pouvoir l'ouvrir. Donc pour 1,99€, un agenda, la belle de Disney. Donc c'est la catégorie Disney Princesse. J'ouvre un. Hein. Oh, trop beau. Il est magnifique. La matière, elle est magnifique aussi. Donc il y a un ruban. Oh, c'est trop bien. Et j'y suis retournée, ouais, j'y suis allée aujourd'hui chez NOS et il y en avait encore. Et à l'intérieur, oh, c'est super joli. C'est légèrement enfantin, mais vous avez vu là, c'est doré. Ici, c'est doré.
Et voilà comment ça se présente à l'intérieur. Un agenda classique, mais je trouvais vraiment, je suis fan, j'adore, il est trop beau. Et j'en ai acheté également un second, donc celui-ci est plus classique pour 1,99€. On va l'ouvrir ensemble. Donc par contre sur l'iPhone, voilà, je ne sais pas comment est-ce que je vais faire le montage de la vidéo. Alors, ça tient par un élastique. Ah, c'est joli. Ah non, c'est un bloc-notes. Ben super, du coup j'aurai un agenda et un bloc-notes. C'était peut-être marqué. Ah oui, bloc-notes. Donc super. En plus, il est assez grand. Et très pratique. Je continue. Ah oui, j'avais acheté ce livre. Je ne sais pas pourquoi, mais je ne sais pas. Je ne sais pas si je vais le garder, si je vais l'offrir. Mais je le trouvais vraiment très joli pour 4,99€. Oui, un truc de princesse. Ça me fait penser, vous savez, les Walt Disney, les anciens Walt Disney, au tout début du dessin animé, ils ouvrent un grand conte, une espèce de voile, les vieux livres. Et ça m'a fait penser à ça. C'est pas trop joli. J'essaie de me trouver de la place. Donc voilà le livre. Ils sont vraiment le vieux livre et le conte. Je regardais que ce soit en français. Oui, c'est bon, c'est en français. Et je ne sais pas ce que c'est cette histoire. Princesse Bride. Je ne la connais pas. Donc voilà. Un livre un peu enfantin, mais qui est magnifique. Ah oui, ensuite, je me suis acheté ça. Pourquoi? Je ne sais plus. Pour 75 centimes, ce sont des trucs de tricot, là. Pour faire le tricot avec la laine. J'ai des collègues de travail qui s'y étaient mis au travail pour les fêtes de fin d'année pour offrir aux sans-abri. Et je me suis dit pourquoi pas m'y mettre. Donc j'en avais pas. Donc si l'envie me prend, j'aurai les baguettes. Ensuite, qu'est-ce que j'ai pris? Ah oui, je vais passer aux bougies. Alors pour 60 centimes, j'ai acheté ces deux bougies rondes et elles sont travaillées. Je ne sais pas si vous voyez. Elles sont vraiment très très jolies. Donc 60 centimes. Et ensuite, j'ai acheté celle-ci également à 60 centimes. Donc, je pense que c'est des restes des fêtes. Parce que Happy New Year. Donc, 60 centimes. Et je l'ai prise parce que du coup, je garderai le vert. Et elle est vraiment très, très, très jolie. Voilà. Voilà pour ça. Ah oui, je vais continuer maintenant avec tout ce qui est fête de Noël, fête de fin d'année. Ils soldaient. Enfin, il y avait des bacs vraiment fin janvier, forcément. Ils enlèvent tout ce qu'il y a de Noël. Et j'ai acheté cette bombe de Noël. Vous savez, la bombe... pour mettre sur le sapin, et je l'ai acheté 1,20€. 1,20€, j'ai regardé oui la date, donc atomiseur pour décorer arbre de Noël, crèche, hutte et vitrine bien agitée. Donc voilà, c'est ce que je voulais, j'en avais pas et j'en aurai pour Noël prochain. Et ensuite, je me suis acheté deux boules pour 60 centimes non, 50 centimes. 50 centimes plein pot, je les aurais pas acheté, mais là voilà, j'en ai pris deux, les deux coloris qui me plaisaient. Je vais passer, ah oui, encore un article de Noël. Alors ça également, c'était 50 centimes. En fait, c'était les produits à 3€, il est passé à 60%. Et après, je ne sais pas, il y avait un autre code. Donc ce sont des épingles pour une déco, pour mettre sur les serviettes ou sur les verres, pour savoir à qui appartient le verre. Donc le wall, il part un peu dans n'importe quel sens. Bon, j'enchaîne ça aussi. 50 centimes. Ce sont des marques place. Je me suis dit, pour ce prix-là, je vais les prendre. Et je les aurai. Ça peut toujours servir. Ah, il y a écrit quelque chose. Voilà, marque place. Écrire le nom de la personne. Lorsqu'on a nos invités, qu'on veut faire une jolie table. Pour une occasion particulière, bien sûr. Alors, pour ça, ensuite... Ah oui, pour 50 centimes, j'avais acheté ça également. Côté tout ce qui est déco... Je vais l'ouvrir, hein. C'est pour moi. Alors, ce sont, il y en a 4 et ce sont des petites boîtes. Voilà, j'ai des toutes petites figurines et je pensais du coup, dans ma vitrine, les mettre comme ça, les mettre dans ces petites boîtes. Voilà, pour 50 centimes, j'achète. Oh, ça, magnifique. Pour 1,30€. Trop joli. Donc, moi, je m'en sers de vide-poche. Voilà, ou alors je mets mes bijoux, ou voilà, vide-poche de clés ou de bijoux ou de monnaie. Et je le trouve vraiment très joli. Il est grand temps de rallumer les étoiles. Oh, trop joli. Et la couleur rose gold. Super. Vraiment, vraiment trop bien. Ensuite, ah oui, je me suis pris cette boîte à thé. C'était la seule. Elle est légèrement bignée.
mais pour 50 centimes, je l'ai prise. Voilà. Boîte en fer, mais très jolie. J'achète beaucoup de thé en vrac. Et du coup, voilà, ça me fait une petite boîte de plus. Ah oui, ensuite, je me suis acheté cette bombe de shampoing sec de la marque Baptiste à 1,50€. Je l'ai prise parce que celui-ci, c'est Marrakech et elle est très, très, très bien. Je l'ai eu dans une box il n'y a pas longtemps. Voilà, dès que c'est un jour où on n'avait pas prévu de se laver les cheveux parce qu'on pensait rester à la maison, d'un coup, on doit sortir, ben, bref. On met ce genre de produit, on vaporise, on masse et ça fait les cheveux légèrement propres. Voilà, pas plus. Ensuite, pour 75 centimes, j'ai acheté ceci. Ce sont des moules enfantins pour faire des cupcakes. Ah oui, d'accord. En fait, quand on voyait sur la petite ouverture transparente, c'était des oursons. Je croyais que c'était que des oursons. Donc non, il y a le petit ourson, le dinosaure. Donc désolé pour le bruit, mais je jette par terre. La petite locomotive et le papillon. Voilà, bon, pour le prix. Je continue avec, voilà, tout ce qui est vaisselle. J'ai trois choses à vous montrer. J'ai acheté ce lot de paille, 79 centimes. Donc il y en a 24, très joli. Ensuite, je me suis acheté pour 98 centimes. Ah, c'est pas donné quand même. Mais ce sont de grandes assiettes en carton et il y en a 20, il y en a 10. Il y en a 10. Et ce lot de grandes serviettes. Donc grandes serviettes pour 1,20€. Et le... Ils disent pas combien est-ce qu'il y en a. Mais il y en a quand même pas mal. Donc voilà pour ça. Ensuite, je vais passer tout ce qui est bijoux. Alors, je me suis acheté... Ah oui, je me rappelle, pour 99 centimes, je me suis acheté cette bague. Alors là, je vais pas réussir à l'ouvrir. J'ai pas pris de ciseaux, je suis bête. Et ça donne ça. J'ai pris une grande taille pour la mettre ici. Et je la trouve vraiment très jolie pour le prix. Voilà, pour cet été, les beaux jours. Ah oui, j'ai pris pour 99 centimes un serre-tête. En fait, je m'en fous des petits froufrous. C'est que je viens de cacher mon serre-tête noir que je mets lorsque je me maquille. Et voilà, du coup, j'ai pris celui-ci. Peut-être que ça, je vais l'enlever. Mais c'est voilà, pour lorsque je me maquille, pour me dégager un petit peu les cheveux. Ensuite, ah oui, trop bien, je me rappelle de ça. Je ne les ai pas achetés aujourd'hui, je les ai achetés il y a 15 jours de ça. Des paires de boucles d'oreilles à 99 centimes. Donc il y a les jaunes, il y a les violettes. Et je me suis dit que pendant les beaux jours, ça va être trop joli. Donc elle a pris une mauvaise forme dans l'emballage. Mais elles sont très jolies. Donc les jaunes et les violettes. Il y a quelques paillettes en plus dessus. Très très jolies. Et les violettes. Voilà, donc pour le prix, forcément j'ai pris... Ah oui, j'avais acheté ceci. Ce sont des petites chaînettes pour la cheville, pour cet été. Donc j'en ai pris 3. Et peut-être que je vais... Voilà, il y a deux les mêmes. Peut-être que je vais en garder une pour un futur concours. Donc je ne vous ai pas dit le prix. 49 centimes, vraiment pas cher du tout. Donc il y a celle-ci. Et celle-ci, puisque celle-ci est exactement la même. Voilà pour ça. Je crois que je vous ai tout montré. Je vérifie. Voilà, j'en ai eu à peu près pour 11€ et quelques et 20€. Donc oui, on va dire 25€ à peu près. 25€ pour tout ça. Voilà, moi j'adore aller chez Noël. J'adore aller dans ce magasin. Je pourrais y aller tous les jours. Mais bon, voilà, c'est faut y aller une fois par semaine parce que... J'y vais souvent le mardi, il y a souvent des arrivages. Voilà, donc je ne sais pas si vous avez un magasin Noz près de chez vous. Moi, c'est le cas et je suis trop contente, je suis vraiment trop contente. Moi, je vais à celui de chez Alès dans le Gard. Voilà. Je pense que je vous ai tout dit. Donc, cette vidéo est à présent terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, ça fait toujours plaisir. Et en attendant la prochaine vidéo, d'ici là, portez-vous bien. Et comme d'habitude, je vous dis à bientôt.